Vas-y, tourne et saute. N'importe quoi. Allez, mets-toi à genoux. Et soulève tes bras. Soulève tes bras. Et ferme tes yeux. Et n'ose pas faire descendre tes bras. Stupide fille. Desmond. Madame. Emmène la voiture pour qu'on la lave. D'accord, madame. Prochainement, tu vas protéger mes vêtements. Hey, petit bébé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a poussé à porter les habits de madame? Hein? Non, regarde la punition. Regarde comment tu es à genoux. Hein? Tu ne sais pas que quand tu subis des punitions, ça touche mon âme. Je te supplie au nom de Dieu. Même je supplie Dieu en ton nom. Ne porte plus l'habit de madame pour causer encore des troubles. Regarde-toi. Hein? Oh, Croca. Hein? Pardon. Juste laisse-moi, je ne veux pas. Ah. Non, c'est que je sens aussi ton fardeau. Je ne sais pas que ta douleur, c'est mes douleurs. Je peux supplier madame pour toi. Mais comme tu ne veux pas, fais ta punition. Petit bébé. Il n'y a pas de problème. Remercie ton Dieu que le soleil ne brille pas. Sinon, tu allais pleurer. Je m'appelle Desmond. Et vous? Roselyne. Waouh, c'est un très joli nom, je dois l'avouer. Merci. Laisse-moi te dire que tu es vraiment chanceuse d'avoir un homme comme moi. Que veux-tu dire? Oui, tu es vraiment chanceuse d'avoir un homme comme moi parce que je suis un homme de haute classe. Ouais. Calme, classique, ouais, en tout cas, je suis vraiment un homme classique. Et mes amis préfèrent m'appeler Monsieur le Généreux. Oh. Oui, Monsieur le Généreux parce que je suis généreux. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais qu'on s'arrête quelque part là et prendre un verre. Qu'en penses-tu? Ok, pas de souci. Trop bien. Tu fais quoi dans la vie? Oh, ben comme tu peux le remarquer, je suis pilote. Oh, et je viens juste du boulot. C'est bien ça. Tu as l'air chic, t'es trop jolie. Merci. T'es le genre de fille que j'aime. Merci. Ouf, quelle journée chargée. Bonjour, monsieur. Joma, comment tu vas? Oui, ça va. Monsieur, je suis désolée. Je suis désolée de mes actions de la fois dernière. Pardon. Je sais que vous n'êtes pas content de moi. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Mais pardon aussi à madame. S'il vous plaît, monsieur. Ouais, Joma. C'est vrai que nous étions très très en colère contre toi. Ouais, nous l'étions. Ce que tu as fait était un grand manque de respect envers nous. Tu nous as manqué de respect. Nous méritons un respect absolu de toi, Choma. Néanmoins, j'accepte tes excuses. Mais que cela ne se répète plus. Tu dois aussi aller présenter sincèrement tes excuses à madame. D'accord? Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça va. Madame. Madame, je suis vraiment désolée. Honnêtement, je ne sais pas ce qui m'avait pris. Je me suis surprise moi-même en train de faire des choses inadmissibles. S'il vous plaît, pardonne-moi, maman. Tu veux dire que tu es possédée? Possédée? Je ne sais pas si je suis possédée, mais pardon, je suis sincèrement désolée. Tu m'avais vraiment énervée. Premièrement, je ne mettrai plus jamais ce vêtement.
Je ne partage pas mes vêtements avec quelqu'un. Et ces vêtements étaient vraiment mes préférences. Bien, je ne peux pas du tout t'en vouloir pour ça. J'étais vraiment inquiète. Je sais que tu es celle que j'aime beaucoup. C'est bien, je te pardonne. Alors tiens-toi debout. Ah, merci, maman. Tiens-toi debout. Hein? Lève-toi. Retourne à ton boulot. Où est Kate? Il est en train de laver. Appelle-la pour moi. Merci, maman. Alors, monsieur, écoutez, il y a quelque chose que je vais vous dire. Écoutez, je n'aime pas ce que Ikaïte fait. Ikaïte, vous savez que j'aime votre fille passionnément. Tu le confesses même, non? Merci, Ika. Vous savez qu'à cause de votre fille, même si je n'ai pas de carte de crédit, j'en emprunte. J'en emprunte pour appeler Ikaïte. Mais Ikaïte me dit toujours que, Krika, tu ne m'aimes pas. Ika, tu sais de quoi je parle? Tu sais de quoi je parle? Ouais. Ika, si vous dites ça, Ika, je vais vous rappeler. Je vais vous rappeler. Pourquoi tu bloques les portails? Viens, tu vas où? Laisse-moi te dire, tu penses que je n'ai pas des yeux? Non, dis-moi, tu penses que je n'ai pas d'initiative? Est-ce que tu essaies de penser? Chaque jour qui passe, regarde la glacière. Tu sors avec la glacière, tu vas finir toute la nourriture qui est dans cette maison. Tu ne vas nulle part. Aujourd'hui, tu ne sors pas. C'est quoi? Écoute-moi, je n'ai pas de force cet après-midi. S'il te plaît, ouvre le portail, je pars, non? Tu fasses quoi? Tu veux me forcer à ouvrir le portail? Laisse-moi te dire, ici, c'est mon bureau, c'est ma position. Je connais mon travail. Je pars avec mon travail, sinon je vais t'étrangler. Oh. Ne viens pas ici me déranger. Je t'en prie, prends ta glacière. Ne fasse pas. Tu sais que je suis un homme de grande, grande colère. Et quand elle s'enflamme, c'est quand le soleil se lève qu'elle est calmée. Mais tu ne vas nulle part. Un point, c'est dis-moi, tout. Mais pourquoi tu fais ça, non? Un point, c'est tout. Tu sais que tu es moi, n'est-ce pas? Écoute, ouvre-moi le portail. Dès que je veux revenir, je veux tout te dire. Je reviens, d'accord? Et que, oublie que je n'étais à personne. Oublie que si tu n'as personne ou quoi que ce soit, bah, laisse-moi te dire. Quand le moment va arriver, personne ne va rien te dire, te le dire rien. Ils ne vont pas te le dire. Le jour où le patron va t'attraper en pleine action, toi seul va porter les conséquences sur ta tête. T'inquiète, je vais le faire. Écoute, tu vas le porter. Ouvre le portail, je pars. Je reviens. Tu es problématique. C'est toi qui n'as pas de problème. Chaque fois que tu prends la nourriture de la glacière pour la donner à un homme, même l'homme à qui tu donnes la nourriture, il se peut qu'il ait quelqu'un d'autre qu'il aime. Tu aimes quelqu'un. Quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre. Vous, la fille, vous n'avez pas d'orientation. Tu vois là, nous qui sommes ici, ne sommes-nous pas assez beaux? Tu ne peux pas me donner une bonne nourriture aussi à manger. Chaque fois, ce que vous me donnez, c'est cowbell coffee. Oh, cowbell chocolate. Et vous, c'est ce que vous me donnez chaque fois. Si vous donnez chaque fois ça à l'enfant, l'enfant ne va pas mourir. L'enfant va prendre du cowbell le matin, cowbell le soir. Il ne va pas mourir. Salut, beauté. Bonjour, monsieur. Tu sais que tu es vraiment très jolie. Merci. Tu es la plus jolie fille que je n'ai jamais vue. C'est vrai, ça? Bébé, comme tu peux le remarquer, je m'appelle Pilote Desmond. En fait, je travaille pour Self Airlines. Wow. Et chérie, comme je te parle là, je me suis fait beaucoup d'argent. Genre, énormément d'argent. Tu sais, si tu prends cette direction, tu vas jusqu'à la fin, tu verras un immeuble très bien construit. Vraiment? C'est l'un de mes immeubles à Lagos. Tu es sérieux? Bébé, en réalité, j'ai cherché une jolie fille comme toi pour dépenser mon argent avec. Parce que j'ai beaucoup d'argent, énormément d'argent. Mais alors, qu'est-ce que nous faisons encore ici? Tu sais quoi? Avançons juste comme ça. Trouvons où on achète des voitures. Choisis n'importe quelle voiture. Tu l'auras. Desmond! Desmond! Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'attendais à la maison pour venir m'amener à une réunion d'affaires. Et te voici ici parlant à une pimbèche. Desmond! Donc c'est comme ça que tu gaspilles l'argent que je te paie? Donne-moi mes clés. Perds mon temps.
Arrête-toi là-bas. Qui était la fille que je t'ai vue avec? Monsieur, en effet, c'est une fille que mon père... Ferme-la! Qui a pris l'argent que j'ai mis dans le coffre? Monsieur, l'argent que vous aviez gardé... L'argent que vous aviez gardé... Ferme-la! La fois dernière, je t'avais demandé de faire le plein du réservoir. Mais tu en as seulement fait la moitié et détourné le reste de l'argent. Donc, ce sont les filles qui te sucent à sec, Desmond. Tu es totalement un échec. Je suis désolé. Tu es renvoyé maintenant. Monsieur, s'il vous plaît, je suis vraiment, vraiment désolé. Pardonnez-moi. Ça ne se répétera plus. Fermez là. Prends tes effets et quitte cette maison immédiatement. S'il vous plaît, monsieur, c'est le travail du diable. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne vais plus le faire. Mon protecteur, je te prie de me délivrer de tous les esprits impurs qui m'oppressent. Rends-moi utile et obéissante à tout ce qui m'est dû comme travail. Aide-moi à rester loin de tout ce qui me cause des problèmes. Délivre-moi de la corruption. Enlève à moi la cupidité pour que je donne le meilleur de moi-même. Avec joie, paix pour ta gloire. Accepte ma prière, je te prie. Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus, amen. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Fred, monsieur. Vous êtes un chauffeur avec une bonne expérience. Oui, monsieur. Bien. Mais est-ce que vous avez aussi de l'expérience dans le jardinage comme planter et nourrir les fleurs? Parce que cela fera partie de vos conditions de travail. Je vais essayer, monsieur. C'est bien. Alors, vous avez obtenu l'emploi. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Oh, le gestionnaire des installations vous fera parcourir la maison et vous montrera quoi faire. Ok, monsieur. Votre travail commencera demain. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Ça va. Je serai dans la cour. D'accord. Allô, chef. Comment va toute chose? Mais cette fois-ci, ça a trop duré. Pourquoi? Ok, ok. Je serai là personnellement demain matin. D'accord.
Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, bonjour ma chère. Vous sortez? Bien sûr, comme tu le vois, je sors. Monsieur, je sens quelque chose de pas bien à votre sortie. On dirait quelque chose de mal va vous arriver. Quelque chose de très dangereux. Si c'est possible que vous restiez aujourd'hui à la maison. Sortir peut-être demain ou un autre jour, mais je pas me porterai bien, Choma. D'ailleurs, j'ai beaucoup de choses très importantes à faire aujourd'hui. Mais monsieur, votre vie est plus importante. Je me porterai bien. Okay. Merci. Excuse-moi, monsieur. Ouais. Monsieur, je pense que quoi que ce soit, ce que Choma vous dise mérite une attention. Pourquoi ne pas l'écouter? De quoi Choma est en train de parler? Elle vous demande de ne pas sortir aujourd'hui. Vous voyez, j'ai une affaire très importante à faire aujourd'hui. Oui, monsieur, mais aucun business n'est plus important que votre vie. Ici, nous parlons de votre vie. D'accord, puisque tout le monde parle de ma vie, ça va. Bien, j'ai pris note. Maintenant, apportez ceci à Murphy. Ok. Oui, monsieur. Il sait quoi faire. D'accord. D'accord. J'ai compris. Allô, Murphy? Ah, bonjour, bonjour. Le chauffeur Fred est en train de vous l'apporter. Je ne pourrai pas sortir à cause de certaines circonstances. Alors, allez chez Chef pour faire la livraison, d'accord? D'accord. Fais attention. D'accord. N'est-ce pas hier que j'ai acheté ces piles? N'est-ce pas hier que j'ai acheté les piles? Je vais aller sur FM. Je veux écouter ce qui se passe à quoi bon, mais je ne peux pas. Je veux... Oh, comment vais-je maintenant écouter les actualités? Comment vais-je écouter? Okiraka. Oui? Devine quoi? Quoi? Tu vois cette fille Choma? Cette fille, elle a vraiment beaucoup de courage. Tu sais qu'elle a refusé que Oga voyage. Tu dis quoi? Choma a empêché le patron de sortir. Et tu es en train de dire que le patron voulait sortir. Et Choma a dit, hé, patron, venez vous asseoir, vous n'irez nulle part. Ou bien, comment est-ce que ça s'est passé? Pas comme ça. Je ne sais pas comment elle l'a fait. Mm-hmm. Tout ce que je sais est que Oga devait voyager ce matin. Elle parlait avec lui et lui disait quelques histoires. Et directement, j'ai vu Oga rentrer se reposer. Juste comme ça. Je te dis, c'est ce qu'elle avait aussi fait à madame la fois passée. Lorsque madame voulait partir à une fête. Elle avait le culot de dire à madame de ne pas manger n'importe quoi de cette fête-là. C'est incroyable. Elle a fait ça. La fille a le culot. La fille là que tu vois, elle a le foie. Elle a les reins. Elle a... Peux-tu imaginer la même fille? Toi qui es si grande, tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour parler. Vous êtes là en train de parler de moi, hein? Faites attention parce que le mur rend des oreilles. Qui parlait de toi? Qui parle de celle-ci? Est-ce que nous avons ouvert nos bouches et parlé de celle-ci? Ou bien tu étais à l'intérieur et ta bouche te démangeait et tu veux siffler? Et vous pensez que je ne sais pas, hein? Faites attention avant que je ne vous donne une baffe de mes mains.
Hey! Comment il sait qu'on parlait d'elle? Peux-tu imaginer ça? C'est ce que je suis ici en train de penser. Je suis surpris. Comment est-ce qu'elle a su? Je te dis qu'il y a quelque chose avec cette fille. Ceci est une affaire dangereuse. Elle a parlé du jeu. C'est dangereux. Comment est-ce qu'elle a su? À cause de la fille là, on ne va plus avoir de secrets dans cette maison. Tout sera maintenant codé. Hey! Ce n'est pas normal. Je veux spirituel. C'est spirituel. Je te supplie au nom de Dieu, ne viens plus me faire un rapport pareil. Je ne veux pas qu'une main invisible me frappe. Et si quelqu'un va mourir, que ce soit toi seul. Hey! Gifle spirituel. Sais-tu quand j'ai entendu gifle spirituel pour la dernière fois? C'est de ce féticheur de notre village que beaucoup de gens viennent visiter. Et il les enseigne comme une classe de baptême. C'est lui qui donne les gifles comme la pluie qui tombe. Je ne veux pas recevoir ça. Ne viens plus me faire un rapport pareil. Laisse-moi écouter ma radio préférée. Je vais écouter le journal sur la politique. Je vais bientôt déposer ma candidature pour être le président de la République. C'est qui ça? Qui frappe au portail? Les gens ne savent pas comment frapper au portail. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas nous frapper avec respect. Qui est là-bas? Vous n'avez pas du tout de manière. Ah. Il est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Patron, je ne sais pas. Il frappait au portail. Bang, 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 bang. J'ai ouvert le portail, je l'ai vu comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai été attaqué. Comment? J'étais en train de conduire. Fred! Directement. Monsieur! Fred! Fred! Il y a urgence. Prenez-le. Prends-le. Tu es un docteur, viens le prendre. Ok, vite, prenez-le. Qui t'ont attaqué? Est-ce que c'est des hommes armés qui t'ont attaqué? Toi, tu n'as pas de fusil. Faites vite. Sors de cette voiture, mon frère. Patron, où est-ce que tu vas? Je voulais les suivre à l'hôpital. Vas-y, ouvre le portail. S'il te plaît, c'est au grand hôpital. Je n'aime pas voir quelqu'un qui saigne du tout. Je n'aime pas. Regardez comment il saignait.
Fred! Qu'est-ce que tu as fait? Reviens ici, Fred! Où est mon papa? Il n'était pas là quand nous étions de retour. Et jusqu'à présent, il n'est pas là. Je suis désolé. Annabelle! Va là-bas. Annabelle! Oui? Oui, papa! Entre! Okay. Oui, papa! Tu es revenu? Oui, papa. Comment tu vas? Ça va bien. Et toi? D'accord, j'étais allé voir Murphy. Oh, comment va-t-il maintenant? Ah, il va bien, Dieu merci. Tu m'as sauvé ma vie. Oui, tu ne peux pas juste mourir comme ça, papa. Exactement. Mais, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Oui, ça va. Papa, je veux te rejoindre un moment. D'accord. Oui, j'aimerais juste prendre bain. D'accord. Je vais t'attendre. Ok. Tu as fait ton désir, n'est-ce pas? N'es-tu pas satisfait? C'est comme ça que vous vous abusez des gens lorsqu'ils sont ivres. Je ne t'ai jamais apprécié. Parce que je savais que tu n'étais pas une bonne personne. Écoutez, j'ai essayé de vous arrêter, mais vous ne pouvez pas me laisser partir. Et en fait, ce n'est pas de ma nature d'abuser d'une femme quand elle est saoulée. S'il te plaît, je suis désolé. Mon Dieu. Qu'est-ce que je peux dire? Le seul corps que je donne à un homme que j'aime tant, c'est le même corps que j'ai donné à ces chauffeurs stupides. Excuse-moi. Je dis je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Mais je veux que tu comprennes ceci. Je t'aime. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis je t'aime. Je ne crois pas, oui, je ne crois pas. Je ne crois pas à cette foutaise. Ce n'est même pas... Ce nouveau chauffeur. Un chauffeur ordinaire. Quelqu'un qui vient de commencer le travail. Donc, il colle déjà avec la fille du patron. Celui-là. Ce gars est très stupide. Il pense qu'en faisant ça, il va devenir le gendre du patron. Tu ne vois pas comment il... Il suit madame partout où elle va. Partout où madame va, il suit comme ça. Il colle avec elle comme ça. Comme si le patron l'a prise et la lui a donnée. Ce garçon a le culot. Je prie qu'un jour, Oga puisse les attraper. Amen. Elle est comment cette fille? Il y a combien d'hommes? Je veux dire, les hommes riches qui sont venus ici pour la chercher en mariage. Imagine ça. Elle n'a vu qu'un chauffeur ordinaire. Très très ordinaire, qui n'a même rien. Vraiment. Ce n'est pas un gars sérieux. Il veut profiter seulement de madame. C'est vraiment compliqué. Ce genre de personne. Qu'est-ce qui se passe ici? On parlait juste de la nouvelle relation entre madame et le chauffeur. Et c'est quoi le problème? Ils n'ont pas droit de s'aimer? Tu trouves qu'il n'y a rien de mal? Ah, pour moi, c'est énervant. Regardez un peu madame.
dans toute sa gloire, a une relation amoureuse avec un chauffeur. Chauffeur. C'est un chauffeur ordinaire au chôme. Hein? En ce qui me concerne, je ne vois rien de mal dans ça. C'est quoi le problème si une fille ou un gars riche tombe amoureux d'un pauvre? Aussi longtemps qu'ils ont des sentiments l'un envers l'autre, je ne vois pas où peut être le problème. Vous délapprenez à vous occuper de vos affaires. Si toi tu dis que ça va pour toi, est-ce que tu sais que ça va aller pour le père aussi? Hein? En tout cas, je ne sais pas ce que cette fille... Je ne comprends pas. Ne venez pas à la grammaire. Imagine ce que... Qu'est-ce qu'elle a dit même? Arrête-moi s'occuper ça. De... Qu'est-ce qu'elle a dit? Je vais apprendre à te taire aussi. Arrête-moi ça. Donc tu veux me maudire? Envoie ça par SMS. Très court. Une seule page. Moi, imbécile. C'est comme si tu n'as pas de sens. Ce sont ces filles qui apportent la confusion dans la tête de quelqu'un qui pense. Elle est venue dire ceci. Toi aussi, tu as... Que le grand tonnerre dont les selles sentent te frappe. Tu n'as pas de respect pour les anciens. Ma radio. Tu n'as pas d'anciens dans ton village, idiote. Tu penses que ceci c'est un costume? C'est la barbe. Je ne te blâme pas. Ton papa n'a pas la barbe comme moi. Chioma. Moi. Je crois que tu as remarqué qu'il y a quelque chose entre moi et Fred. Nous sommes tous les deux amoureux. Alors, qu'en penses-tu? Je vois une relation amoureuse très charmante au début. Mais la fin... Mais sa fin est tragique. Vous devez prier, ma. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais même pas comprendre ça moi-même. Je le dis selon que l'esprit me le fait comprendre. Vous devez faire très attention. Tu me fais peur. Vas-y, continue. Là, pourquoi tu as pleuré de ça? S'il te plaît, non, sois calme, calme-toi. Fred, Annabelle. S'il te plaît, je suis désolé. Papa. Je suis désolé. Je suis désolé, monsieur. Donc c'est ce qui se passe dans ma maison. Oh, Fred, je vois, tu ne vas pas quitter cette maison vivant. Je suis désolé, monsieur. Papa, je suis désolé. Je suis désolé, papa. Je suis désolé. Papa. Tu seras désolé quand tu seras en enfer. Papa. C'est inutile. Fred. Dieu merci, ce n'est qu'un rêve. Fred. Annabelle. Pourquoi cette humeur? Tout va bien avec toi? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis enceinte. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je faisais la fièvre, je suis allée me faire examiner à l'hôpital et on m'a dit que je suis enceinte. Comment ça? Jésus, écoute, s'il te plaît, qu'allons-nous faire? Ton père ne doit pas entendre ça. Hein? Je ne
sais pas, je suis aussi confuse. Annabelle, s'il te plaît. S'il te plaît, tu dois avorter ce bébé. Écoute, pour l'amour de ma vie, ton père ne m'épargnera pas s'il se rend compte, s'il te plaît. Quoi? Fred! Je ne peux pas faire ça, je ne saurais pas, s'il te plaît. C'est dangereux. Rien ne t'arrivera. Écoute, s'il te plaît, tu dois faire ça, hein, si tu m'aimes vraiment. S'il te plaît. Mais rien ne t'arrivera. Écoute. Je sens comme si l'avortement n'a pas marché. En tout cas, je le pressens. Tu sais que j'ai bien. Pourquoi tu dis ça? Je me sens vraiment malade. Je suis très malade. Je ne sais même pas quoi faire. En fait, je pense que c'est normal. Tu dis? Oui. J'ai appris que si tu as fait une chose pareille, il faut attendre une telle réaction. Mais t'inquiète pas, j'irai voir le docteur et lui expliquer la situation. C'est vrai? Oui, j'irai le voir. T'inquiète pas, ça va aller, d'accord? Es-tu sûr? Je suis sûr. Je suis désolé. Alors, je serai de l'autre côté. Je reviendrai te voir. Ok. S'il te plaît, fais-le. D'accord. Je sais que ma fille ne se porte pas bien. Annabelle ne... Reviens ici, Fred. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que tu veux? Je... Papa, je l'avais appelé. Fred. Oui, madame. Va nettoyer la voiture et tu me fais signe pour que tu m'emmènes à l'hôpital. Oh, ok, madame. Fais voir les chaussures. Il y a quelque chose à l'intérieur. Il n'y a rien dans mes chaussures, Chama. Il y a quelque chose à l'intérieur. Si tu portes ça, tu vas mourir. Juste laisse-moi faire. Chama, vérifie ça toi-même. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ces chaussures? Seigneur Jésus! Seigneur Jésus! Serpent! Tu vois ce serpent? Il allait t'injecter son venin. Et tu allais commencer à mourir petit à petit. C'est comme ça que tu allais mourir. Mais qui pourrait faire ça? Qui est-ce que tu as offensé? Personne. Je n'ai offensé personne. Mais... comment tu arrives à voir tout ça? Mais qu'est-ce qui te passe le message? Bien, je ne sais pas. Peut-être que tu as offensé... Choma! Choma! Que fais-tu ici, non? Qu'est-ce que tu veux avec ce garçon? C'est quoi? Allons continuer le travail, hein? Laisse-le tranquille. Sois loin de lui. Thank you.
Annabelle. Annabelle. Oui, papa, j'arrive. Allons-y, nous sommes en retard. Oui, papa, j'arrive déjà. Papa. Annabelle. Annabelle, tu as quoi? Papa. Annabelle. 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 Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Je ne sais pas. S'il te plaît, prends-la. Vas-y vite. Oh, c'est quoi, Annabelle? Monsieur Abode, ta fille est dans un état critique. Mais heureusement qu'elle répond quand même. Elle répond bien au traitement. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec ma fille? Tu vois, monsieur Abode, ta fille a fait un avortement très sérieux et très compliqué. Non. Oui, qui a complètement détruit son corps. Non, vous ne pouvez pas me dire ça, docteur. Ma fille est vierge. La fois dernière que nous avons fait le test, vous avez confirmé qu'elle est vierge. Alors, comment est-ce qu'une vierge peut avoir un avortement? Comment? Monsieur Abode, tu vas discuter ça avec elle. Excusez-moi, docteur. C'est toi qui conduis ma fille partout où elle va. Oui, monsieur. Maintenant, dis-moi. Sais-tu si elle a un homme qu'elle visite quelquefois, quelque part? Aucun que je connaisse. Tu ne connais personne ou bien non? Il n'y a aucun. Annabelle, Annabelle, s'il te plaît, dis-moi celui qui t'a fait ceci. Annabelle, dis-moi celui qui t'a fait cette chose malsaine. N'aie pas peur que peut-être je vais lui faire quelque chose. S'il te plaît, dis-le-moi. Annabelle. Annabelle, tu ne veux pas parler? Tu ne veux pas parler à ton père? Vous deux, vous habitez ici. Avec nous. Maintenant, dites-moi la vérité. Y a-t-il un homme qui vient ici pour visiter ma fille Annabelle? Monsieur, on n'a jamais vu un homme venir la chercher ici. Mais toi, Choma? Non, monsieur. Choma, tu sors fréquemment avec elle. Est-ce qu'elle visite un homme en dehors de cette maison? Non, monsieur. Elle ne voit personne. D'accord. Mais je veux que vous essayiez de la surveiller. Et si vous voyez quelque chose de pareil, dites-le-moi. Compris? D'accord? Oui, monsieur. Oh. Ça va. Oui.
Okrika. Oui, monsieur. Okrika. Oui, patron. Viens ici. Bonjour, patron. Oh, désolé. Bonsoir, patron. Okrika. Oui. C'est toi qui gardes ce portail. Dis-moi la vérité. Y a-t-il un homme qui vient dans cette maison pour voir Annabelle, ma fille? Dis-moi, y a-t-il un homme comme ça? Patron, je jure Dieu. Je jure Dieu qui m'a créé. Je n'ai vu personne. Je n'ai pas vu. Patron, s'il vous plaît, je viens juste de me rappeler. C'est venu dans ma mémoire. Il y a un garçon. Il y a un garçon idiot qui vient visiter votre fille, mais ce n'est pas régulier. C'est une femme passant. Vous voyez? Est-ce que tu le connais bien et là où il habite? Patron, je ne sais pas là où habite ce garçon, mais je le connais très bien. Si je le vois maintenant, je peux vous le montrer. Je le connais très bien. Ce qui va se passer, c'est que n'importe quand que ce garçon va arriver encore, quand il va arriver encore, voyez, moi personnellement, je vais l'attraper et je vais le garder et venir vous appeler et vous allez venir. Vas-tu fermer là? Tu es là. Et quelqu'un, un homme, vient dans cette maison pour voir ma fille et tu ne me l'as pas dit. Patron, vous voyez, c'est... Ferme-la. Je dis ferme-la. Maintenant, si l'homme vient encore, sois sûr que tu l'enfermes ici jusqu'à ce que je revienne. Oui, patron, quand il vient encore, même si c'est son ombre qui est venu premièrement, je vais attraper l'ombre et attendre le corps. Je m'assurerai que je le tienne captif. Oui. Patron, je vais le faire. Le gars là qui me donne l'argent, je vais l'attraper pour mon garçon. Tu veux détruire la vie de la belle fille de mon patron. Oui? C'est qui ça? Oui, qui es-tu? Je suis venu voir ta madame. Tu veux voir ma madame? Oui, exact. Donc attends, je vais l'appeler pour toi. Madame. Ok, Rika. Madame, venez. Il y a quelqu'un que vous voyez, il est au portail, je ne sais pas pourquoi. Qui est-ce? Je ne sais pas, il a la barbe comme les kidnappeurs. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu m'accueilles comme ça? Bébé, pourquoi me traites-tu comme ça? Tu sais que ce n'est pas de ma faute. Si tout ne dépendait que de moi, ça ne se passerait pas comme ça. C'est la raison pour laquelle tu devais courir après notre fille. Bébé, je suis désolé. Écoute, laisse-moi tranquille. Je m'en fous. Laisse-moi tranquille. Je ne suis plus intéressée. Excuse-moi. Chérie. Annabelle. Patron là, viens, suis-moi. Tu as pris cette barbe et entré cette maison comme un kidnappeur. Entre là-bas. Patron, bonne arrivée. Patron, s'il vous plaît, le gars là qui vient ici pour voir votre fille, je l'ai attrapé. Il est où? Je vais l'appeler. Il est où? Joli garçon. Viens, sors, tu as un problème. Je t'ai aidé à te cacher ici et tu fais comme un panier féminin. Sors pour voir mon patron. Je ne sais pas que tu es... Vite, vas-tu sortir de cet endroit? Vas-tu sortir? Oh. Bonjour, monsieur. Oh. Oh. Vas-y pour recevoir mes chiffres. C'est toi.
qui a causé à cette famille beaucoup de larmes et d'angoisse. Oh, oh non, non. Quand j'aurai fini monsieur, avec monsieur. Toi, tu ne te souviendras plus du jour où tu es né. Oh, 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 qu'est-ce que nous t'avons fait? Hey, oh, c'est toi. S'il vous plaît, monsieur, pardonnez-moi. Je ne suis qu'un fils, s'il vous plaît, monsieur. Ça ne va plus se répéter. Allô? Inspecteur, oui, c'est moi. S'il vous plaît, j'ai un criminel qui est présentement dans ma maison. Donc je veux que vous envoyez des éléments. Assez d'éléments. Ok, merci. Merci. Je n'étais venu que voir Annabelle. Je n'ai rien fait avec elle. Annabelle! Annabelle, s'il te plaît, viens parler avec ton père. Je n'ai rien fait avec elle, s'il vous plaît. Hey. Monsieur, s'il vous plaît. Papa, je n'ai rien toi. Fait. Elle est là. Elle est là. Demandez-lui. Papa, je n'ai rien fait. S'il te plaît, il est juste mon ami. S'il te plaît, papa, il n'a rien fait. Il n'est pas un criminel. Il n'a rien fait. Alors comment est-ce que nous avons perdu tant? Il n'est pas un criminel. Il ira s'expliquer au commissariat. Papa, monsieur, tu dois aller au commissariat pour t'expliquer devant l'agent de la force de loi. Ils doivent enquêter sur toi. Monsieur, monsieur, je ne suis pas un criminel. Tu l'es. Tu l'es. Arrête, je suis pas là. Là, quand la police soit arrivée, vous laissez en tirer. Amenez-la. S'il vous plaît, monsieur. Fermez-la. Je ne suis qu'un ami, je ne suis qu'un ami pour elle. Je vais te gifler. S'il vous plaît, laissez-le me faire ça, s'il vous plaît. Fermez-la. Je n'ai rien fait, pour le propriétaire. Écoutez votre fille, je ne suis qu'un ami. S'il vous plaît, monsieur, écoutez-moi, s'il vous plaît, je vous en prie. Ne faites pas ça, je ne suis qu'un ami. Je ne suis qu'un ami de votre fille, s'il vous plaît. Monsieur, non, 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 ne faites pas ça, non. S'il vous plaît, je ne suis pas un criminel. Non, je n'ai rien fait de mal, laissez-moi, non. Monsieur, monsieur, ayez pitié, s'il vous plaît. Monsieur, je vais te gifler, tu es malade. Je t'en prie, ne le fais pas arrêter. Vas-tu fermer là? Où est ton utérus? Dis-moi! Papa! Il sera là jusqu'à l'arrivée de l'agent de la force de loi. Et vous allez le leur remettre. Hé! Hey, ce garçon a fait ça! Hein? À ma fille unique! Et toi, Okirika, toi, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu fais ça? Dis-moi un peu. Et tu sais très bien qu'il est juste un ami. Hein? Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Madame, s'il vous plaît, je ne l'ai pas fait exprès. S'il vous plaît, je ne l'ai pas fait exprès. S'il vous plaît, pardonnez-moi. C'est vrai? Pardon. Écoute-moi, si quelque chose lui arrive, ça sera toi le responsable. N'importe quoi. C'est l'action de la police. Vous voulez me tenir responsable? Hey! Et qui va me rester au portail? C'est vous qui allez venir rester au portail? Vous voulez me tenir responsable? Ce gars-là, est-ce qu'il est responsable? Ce gars-là qui a les barbes comme les kidnappeurs. Vous allez me tenir responsable? Il n'est pas responsable. Là où ton ami là est maintenant, on a déjà rasé sa barbe. Il n'a plus de barbe ici, c'est clair. Je suis sûr de ça. Je peux battre ma poitrine pour ça. Vous ne connaissez pas les gens qui l'ont pris. La police de la fédération, vous n'avez encore rien vu. Vous êtes ici en disant des bêtises. N'importe quoi. Annabelle, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi tu me rends toujours inconfortable avec tes larmes? Il faut me parler, non? Je suis juste en train de penser aux résultats. J'ai maintenant peur. J'ai peur de ce résultat. Je ne sais même pas comment faire. Allez, viens. Viens par ici. Arrête de pleurer, ok? Comment peux-tu continuer à voir ces gens? Je veux dire, comment peux-tu imaginer que je vais te quitter un jour? Tu sais, je t'ai mis dans cette condition. Je ne peux pas te laisser. D'accord? Nous avons commencé ça ensemble et je suis prêt à aller jusqu'au bout avec toi. Et en plus, je t'aime tellement et tu le sais. S'il te plaît, ça va. Je n'aime pas te voir couler des larmes.
Ça va. Promets-moi que tu ne vas plus pleurer. Steve? Tu sais, Annabelle ici est mon trésor et je la chéris beaucoup. Elle est vraiment chanceuse. Merci énormément. En fait, je suis ici à cause de quelque chose et je veux que tu sois témoin. Ok. Annabelle, s'il te plaît, veux-tu m'épouser? Fred! Oui, mon amour. Sais-tu réellement ce que tu me demandes? Je le sais. S'il te plaît. Je ne sais même pas comment te remercier. S'il te plaît, ne dis pas non. Oui. Oui. Je vais t'épouser. C'est vraiment merveilleux. Je suis vraiment très contente. Je suis contente. Wow. Félicitations, Annabelle. Tu es vraiment chanceuse. Oui. C'est un grand pas vers le mariage. Je suis vraiment contente. Je suis très contente. Vous voulez une autre chose? J'ai vraiment besoin de... Papa. Devine quoi? Bien, je ne suis pas quelqu'un qui devine. De quoi s'agit-il? Quelqu'un m'a fait la demande. Oh. Ça c'est bien. Mais est-ce que tu lui as parlé de ta condition de santé? Oui, papa. Il est vraiment au courant de tout. Oh, c'est bien. J'aimerais voir ce prétendant qui t'aime. Même quand il sait que tu ne peux pas lui donner d'enfant. Je veux le voir. Il est où? Papa, il est devant la porte. Oh, va lui ouvrir la porte, qu'il entre. Il est où? Papa, c'est lui. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Je suis très amoureux de votre fille Annabelle. Elle a une fille très gentille. Je lui demande de m'épouser et elle a accepté. S'il vous plaît, je viens vous demander votre consentement. Maintenant, Annabelle. Papa. Dis-moi, comment et quand cet amour de Fred pour toi a commencé? Juste après cet incident, lorsque j'avais quitté l'hôpital, Fred s'occupait de moi. Il était toujours là pour moi. Il ne faisait que m'encourager. Et je sais qu'il m'aime réellement. Donc tu as des raisons convaincantes pour lui faire confiance. Mais je suis seulement concerné par ta sécurité émotionnelle et physique. Néanmoins, je verrai quoi faire. Merci, papa. Ça va. D'accord. Merci, papa. D'accord, papa. Où est Kate? Patron, Kate? Kate! Kate! Kate, viens ici. Le patron t'appelle. Tu es ici. Patron, la voici. Kate, patron. Je veux vous présenter Fred. Mon
futur beau-fils. Et à partir d'aujourd'hui, vous devez lui accorder le respect approprié en tant que mon futur beau-fils. Vous ne devez plus vous adresser à lui comme un chauffeur dorénavant. Ok? Oui, patron. Oui, ouais. Parce qu'il... il va être le mari de ma fille. D'accord? C'est bien. Oui, papa. Ouais. Merci, papa. Merci. Fred. Oui, monsieur. C'est ça. Ouais. Je suis très content de vous. Bye, papa. Vous sortez. Ok, je vais ouvrir le portail, non? S'il te plaît, arrête de pleurer. Écoute, je suis vraiment désolé de comment ma mère t'a embarrassée. Ça m'a vraiment touché du fait que cette humiliation vient de ma mère. Mais s'il te plaît, je ne veux pas que ton père te voie dans cet état. Écoute, ce que je peux être sûr, c'est que quoi qu'il arrive, je suis à tes côtés. En fait, le programme pour notre mariage commence immédiatement. S'il te plaît, arrête de pleurer. S'il te plaît. S'il te plaît. Annabelle, je ne veux pas que ton père te voie dans cet état. S'il te plaît, je suis vraiment désolé. D'accord? Je suis t'es là. Ça va, s'il te plaît. Ça va, d'accord? Laisse-moi t'aider à porter tes chaussures. S'il te plaît, ça va. T'inquiète pas, je vais t'aider à le faire. Vous êtes le bienvenu. Tu es seul, papa, en train de t'amuser. Waouh. Vous êtes le bienvenu. Merci, monsieur. Merci, comment papa. A été le voyage? Tout est bien passé, monsieur. C'était en fait un accueil chaleureux et nous remercions Dieu pour tout. Annabelle. Papa. L'as-tu aimé? Oui, j'ai aimé la place. En tout cas, c'est très beau, je te dis. Oh. Oui, papa. C'est bien. C'est très bien. Je remercie Dieu pour le bon voyage et je remercie Dieu qu'il prenne le contrôle absolu de toutes choses. Amen. Ouais. Amen. Et comment va le plan de votre mariage? Oh, nous sommes en train, monsieur. Nous sommes en train. D'accord. Il faut faire un plan bien détaillé et le mettre à ma disposition. D'accord. D'accord. Merci. D'accord. Merci, ok, papa, j'arrive, je vais un peu. D'accord. D'accord. Fille gentille. Fred, j'arrive. Je suis là. D'accord. Oh Dieu. Bien, tu. Ah, non, ça va, monsieur. Qu'elle prépare quelque chose pour toi. Non, non, je vais bien comme ça, monsieur. Ah. Je vais aller me soulager.
Fred, tu avais l'air très troublé lorsque tu m'avais appelé. Qu'y a-t-il? Mais comment pourrais-tu? Comment pourrais-tu dire tous les secrets concernant Annabelle à ma mère? Et voilà, j'ai été en face de la plus grande honte de ma vie. Steven, je pensais pouvoir te faire confiance. Attends, je ne comprends pas. De quoi es-tu en train de parler? Tu ne comprends pas ce que je dis ou quoi? Hein? Tu ne comprends pas ce que je dis ou quoi? Tu as parlé à ma mère de la situation d'Annabelle. Et honnêtement, pour être honnête avec toi, je n'en suis pas content. Ah, mais Fred, la dernière fois que je parlais avec ta mère remonte à 10 ou 8 mois. Depuis lors, je ne l'ai plus appelé. Je ne sais pas de quoi tu parles. 8 à 10 mois. Alors, si tu ne lui as pas dit, qui lui a dit ça? Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être qu'elle a apprise d'une autre source. Je n'ai dit ça à personne d'autre. Parle avec elle. Discutez-en. Nano. Merci, maman. Maman, je viens pour t'informer de mon mariage qui arrive. S'il te plaît, je veux que tu sois là. Je ne viendrai pas dans ton mariage. Aussi longtemps que c'est un homme féminin que tu veux épouser. Non. Je ne veux pas prendre part à un mariage de deux hommes. Je participerai à ton mariage qu'en une seule condition. Maman, la femme que je veux épouser est celle que je t'ai présentée. Est-ce que tu viens ou pas? Si c'est la femme-là que tu veux épouser, je ne viendrai pas. Maman, ne vois-tu pas que nous nous aimons? Ne vois-tu pas? Ilo, Lolango, l'amour qui ne produit aucun fruit. Qu'est-ce que tu connais de l'amour? Hein? L'amour que tu vas regretter demain? Tu ne l'épouseras pas, oh. Tu ne vas pas l'épouser. Tu ne peux pas épouser un homme que tu appelles une femme. Tu ne peux pas l'épouser. Maman, tu me dis que tu ne viendras pas, mon mariage. Je ne viendrai pas. Si c'est elle la femme que tu veux épouser, oublie-moi. Maman, donc tu dis que tu ne viendras pas à mon mariage? Si c'est avec elle, fais comme si je n'existais pas. Je ne viendrai pas. Donc tu ne viendras pas au mariage de ton fils unique? Jamais. Mon fils veut épouser un homme. Je ne vais pas y participer. Je ne peux pas venir à ces mariages. Je ne viendrai pas. Maman, tu ne viendras pas au mariage. Je vais faire quoi? Je ne viendrai pas. Oublie ça. J'ai compris. Ce mariage n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Ça ne va pas marcher. Tu ne vas pas l'épouser. Maman, tu ne vas pas l'épouser, c'est un homme. Mon mariage aura lieu. Tu donnes tête, hein? Ok, on verra. Ok, pas de problème. Tu veux me tuer avant ma mort. On verra bien. Ok. Tanti, tu es venu tôt le matin comme ça, dis-moi. J'espère que tout va bien. Tout va bien, Tanti. Il n'y a aucun problème. Tanti, s'il te plaît, j'ai à te demander une faveur. Fred. Oui. Qu'est-ce que ça peut bien être? S'il te plaît, je veux que tu viennes et représenter ma mère à mon mariage. Me faire passer pour ta mère? Comment? Pourquoi? Qu'est-il arrivé à ta mère? Tanti, ma mère a refusé de venir.
Elle a dit qu'elle ne viendra pas à mon mariage. Et en fait, il n'y a aucune autre personne à qui je peux demander cette faveur en dehors de toi. S'il te plaît, Tanti. Voici une somme de 100 000 naira. S'il te plaît, prends ça. Mon fils, t'as pas à me donner l'argent. Tu n'as pas à me donner de l'argent pour que je sois à ton mariage. Tanti, cela vient de mon cœur. Ce n'est pas forcément à cause du mariage. Je suis comme une mère pour toi. Hein? Et en parlant de mère, je dois dire que ce qu'elle fait là, ce n'est pas bien. Hein? Comment peut-elle refuser de venir à ton mariage? Il faut vraiment qu'on trouve une solution à ce problème. Ah. On verra. Ça va. Je vais gérer ça après. Mais pour le moment, c'est mon mariage qui me préoccupe tant. S'il te plaît, Tanti. Écoute, tu n'as pas. Tu ne dois pas te déranger. Je suis comme ta maman. Hein? Et je ferai. Je ferai de mon mieux pour. Non, je serai carrément là. Merci beaucoup, je Tanti. Je serai là. Ne t'inquiète pas. Je vais prendre congé de toi. Je vais voir un de mes amis avant de partir. Et mon fils. Tanti, s'il te plaît. S'il te plaît. Je viendrai, mon fils. Ne t'inquiète pas. Je viendrai. Ne t'inquiète D'accord. pas. D'accord. Allez, au revoir. Au revoir. Dis-moi, comment tu vas? Je vais bien, comme tu me vois. Dieu fait grâce. Sais-tu que mon fils Fred est revenu à la maison pour m'inviter à son mariage? C'est une bonne nouvelle. À son mariage avec cette femme qui n'a pas de matrice. Et sans effet, est-ce que tu es en train de me dire? Quel genre de mère irait à un tel mariage? Oh. Un mariage entre un homme et un homme. Oh. Parce que cette femme-là est un homme. Quand il te manque ce qu'il faut pour porter un enfant dans ton sein, tu es un homme. Elle est un homme. Je l'ai mis au monde pour que je porte mes petits-enfants. Et tu sais le pire dans ça, c'est quoi? Oui. Tout ce que je lui dis, ma pression. Mais Fred, il tient à son plan. D'épouser cette incomplète de femme. C'est un cron-cron qui n'a rien à l'intérieur. Une femme vide. Hey. Quelle décision. Pourquoi les jeunes d'aujourd'hui refusent-ils comme ça les conseils de leurs parents? Je lui ai dit que je ne viendrai pas dans ces mariages. Mais quel genre de mère se rendrait à un tel mariage? Et ils oublient que ce que les parents ont lié sur terre est aussi lié dans le ciel et ils ne pourront le délier. C'est quelle folie. Je lui ai dit clairement que je ne viendrai pas dans ces mariages. Je ne viendrai pas. Ma soeur, c'est seulement ce Dieu. C'est seulement ce Dieu qui est dans le ciel qui va m'écouter. Tu as raison. C'est lui seul qui peut me sauver dans cette situation. Mon seul enfant. Mon seul enfant. Ne t'inquiète pas beaucoup, hein. Ne t'en fais pas. Je vais m'assurer de lui faire changer d'avis. Je sais bien qu'il t'écoute. S'il te plaît, parle-lui. Je vais lui parler. Dis-lui. Je lui dirai, ça va aller. De revenir à ses sens, pardon. Ça va aller. Ne te mets pas dans cet état. Ça va aller. Crois-moi, je vais lui parler. Allez, je te laisse. Au revoir. Porte-toi bien. Bye bye. Bye. Regarde maintenant. Mais tu m'as dit que je serais prêt cette semaine. Écoute, mon mariage c'est demain. Je ne veux attendre aucune histoire. Ok, qu'en est-il du camion frigorifique? Viens à la maison afin qu'on charge les boissons. Je suis à la maison. Ok, quand tu arrives, fais-moi signe. Fred. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me traites avec méchanceté? Écoute, je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis sûre que tu sais de quoi je parle. C'est vraiment ça que tu me payes, après tout ce que je fais pour toi. Fred, tu sais que je t'aime énormément.
Tu as oublié comment je me suis vraiment sacrifiée juste pour... Hey, arrête ça. Mais contrôle ton émotion, non? Nous sommes des adultes et je ne veux pas qu'on se comporte comme des enfants ici. Je ne veux pas te rappeler de comment ma future femme sentira quand elle viendra nous voir dans cet état compromettant. Pour ton bien, je pense que tu feras mieux de retourner à ton travail. C'est ce que tu me dis? Une fois encore, félicitations. Merci, monsieur. Merci, papa. Vous êtes le dernier couple marié en ville. Je suis très content. Mais toi, Fred. Monsieur. Nous sommes devenus une famille. Oui. Alors, j'ai acheté une maison pour vous. Merci, monsieur. Merci, papa. Monsieur. Wow. Merci énormément. C'est une maison très magnifique. Waouh. Vous l'aimerez, est-ce que vous le verrez? Merci beaucoup, papa. Merci. Donc, n'importe quand, vous allez entrer dans votre propre maison et vivre comme mari et femme. J'ai aussi pourvu une Jeep pour vous en plus de la maison. Wow. Merci papa, merci. Vous allez l'aimer, bien sûr. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. C'est une voiture de luxe. Waouh. Ouais, alors, Fred. Monsieur. Prends soin de ta femme. Je le ferai, monsieur. Annabelle. Papa. Aime ton mari et sois loyal. Je le ferai. Merci, merci beaucoup. Ouais, vous êtes tous au courant que les choses changent pour le mieux. Il y a eu d'élévation et plus d'élévation auront lieu. Donc les positions vont changer. Et il y aura des positions additionnelles. Alors, notre chauffeur et jardinier Fred a surpassé cette position de chauffeur et est monté à un autre niveau parce qu'il est devenu un membre de bonne foi de cette noble famille. En tant que mon beau-fils, je veux que vous lui accordiez le respect qu'il mérite. Je ne vais tolérer aucune insubordination à l'égard de sa personne. Vous m'avez entendu? Oui, monsieur. Oui, messieurs. Bien. Aujourd'hui, ils quitteront ici pour aller rester dans leur maison. Alors, nous allons employer un autre chauffeur et un jardinier. Kate ira avec eux. Papa, tu préfères Chioma, s'il te plaît. J'aurais aimé que Chioma reste ici avec moi. Néanmoins, comme c'est elle que tu désires, elle ira avec vous. Merci, papa. Tous les staffs demeurent soumis et responsables devant moi. Ça va? Patron, s'il vous plaît, j'aimerais proposition. La nouvelle maison où ils vont, j'aimerais que vous me déployiez là-bas et employiez un autre portier pour cette maison. Quand vas-tu te taire? Ferme-la. Maintenant, quitte ici, va à ton poste. Désolé, monsieur. Que veut dire tout ça? Ah, ce n'est qu'une proposition.
D'accord, c'est la fin de la réunion. Merci, papa. Merci, papa. Monsieur. Ça va. Maman. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Maman, comment peux-tu me demander de savoir ce que j'ai fait dans la maison? La maison de ton quoi? Hein, Fred? Tu as fini par épouser ces soi-disant femmes. Hein? Après tout ce que je t'ai dit. Hein, Fred? Qu'est-ce qu'elle t'a donné? Hein? N'essaie même pas de l'amener jusque chez moi ici. Et pour toi, je ne te considère plus comme mon fils. Et je ne suis plus ta mère. Maman. Tu n'as plus de mère. Maman, comment peux-tu dire une chose pareille? Ne m'appelle pas maman. Je ne suis pas ta mère. Je n'ai pas un fils. Maman, je n'aime pas ce que tu fais. Je n'aime pas ça. Si tu veux, prends-les, je m'en vais. Fred! 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 Reviens! Reprends ton colis. Prends ton histoire. Maman, pourquoi tu fais ça? Je vais te tabasser. Pourquoi tu je fais ça? Je vais te tabasser. Allez, prends ça. Je n'en ai pas besoin. Allez, prends. Je ne veux pas de ça. Prends ton histoire. Je ne veux pas répondre ça. Allez, demi-tour, pars. Va-t'en. Je n'ai plus de fils. Je suis sans enfant. Tu viendras m'enterrer. Tanti. Fred, désolé de t'avoir fait attendre. J'étais occupée à la cuisine. Ça va. Tanti, en fait, je suis venue pour t'exprimer ma gratitude pour ta présence lors de mon mariage. Vraiment, je ne sais pas comment te remercier, mais Dieu va te bénir. Ok. À vrai dire, c'est mon plaisir à moi de réussir ton invitation. Nous devons rendre grâce à Dieu pour tout. Tanti, tu ne sais pas ce que tu m'as fait. Tu m'as vraiment épargné d'une grande humiliation après que maman a refusé de venir. Tanti, en fait, je t'ai apporté certaines choses. Hé, hey, Fred. Oui, Tanti. Tu dis que tu m'as apporté ça. Oui, tout Tanti. Tout ça pour moi. Je te remercie, mais est-ce que c'est pas trop? Ça va, Tanti. En fait, c'est moi qui est censé te remercier. Ah, vraiment, je te remercie, mais est-ce que ce n'est pas beaucoup trop? Tanti, ça c'est rien, non? Maintenant, je vais partir pour la ville. Oui, je suis juste venu pour te pourquoi remercier. Pourquoi tu ne montres pas que je te serve à manger? Non, peut-être à la prochaine fois. D'accord, merci Anti, on garde le contact. Chuma. Je suis très contente pour ton déplacement. J'ai entendu que cette maison est très grande. Et tu vas vraiment nous laisser ici. Ah, sais-tu que vous allez me manquer? Je vais manquer tous les moments que nous passons ensemble, les moments de délire. Ça va me manquer. L'homme s'adapte au changement. C'est ce que la nature nous a donné. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Tu vas beaucoup me manquer. Tu vas aussi me manquer. D'accord. Merci.
Oh, Krika! Oui? Viens! Papa! Tiens, tiens! Tiens, par ici! Allez, soulève-le! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Soulève-le! Mon salaire! Mon salaire! Mon salaire! Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe! Mon salaire! Qui va encore payer mon salaire? Chérie, aucune nouvelle? On n'a encore rien dit. Aïe. Oh mon Dieu, que Dieu le préserve, que Dieu le préserve, Seigneur. Calme-toi, ça va aller, d'accord? Ça va aller. Docteur, comment va-t-il? Allez, regarde. Essaye de te calmer, ok? Oui? Docteur, comment va-t-il? Comment va-t-il? Je veux que vous puissiez comprendre que nous avons fait de notre mieux. Ok. Comment va-t-il alors? Docteur, il faut nous parler, non? Vas-y, parle. Je suis désolée. Il a succombé. Ah! Docteur! Docteur! Non, docteur! Essaye de la calmer, non? Non! Hein? C'est pas toi. Docteur! Ça va, ça va. Papa est mort. Ça va. Ça va, ça va. Ça va. Non, docteur! Ça va, s'il vous plaît, ça va. Docteur! Papa! Papa va, est mort! Ça va. Ça va. Non! De Fred. Alors, comment vas-tu? Ne m'appelle pas maman de Fred. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air furieuse. Je viens de chez toi. Quand tu étais encore au champ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu es allé prendre part au mariage de mon fils que nous avions condamné ici. Hein, maman Nieka? Je pensais qu'on était amis. Je ne savais pas que tu étais un serpent. Ce n'est pas ma faute. C'est ton fils qui m'a approché. Il est en train de me supplier comme un bébé. Et tu vois la bonne personne que je suis. Je ne pouvais pas lui refuser. Yo bongo, hein? Je devais me rendre au mariage. Oui. Oui, nous avions condamné sa décision. Mais on ne peut pas le condamner en tant qu'humain. Et oui, c'est vraiment pour ça que je me suis rendue à ce mariage. Et tu sais quoi? Quand se le disent entre nous, c'était vraiment fantastique. Non, je ne peux jamais encore venir près de moi. Tu as entendu? Oh, faut-il atteindre ce point? Nous sommes toujours amis. Ah, Bilobolanga! Langa, langa! Je suis une femme cupide! Faut-il que ça aille à ce niveau? Une femme cupide! Et puis même, c'était pas ma faute! Tu as refusé d'aller à ce mariage! Ton fils est venu me supplier et moi j'ai dit oui! Quoi le tu vas vomir tout ce que mon fils t'a donné! Aujourd'hui! Quoi? Aujourd'hui! On ne manque de voir! Okosan, Zagnon, Soliaki! Où t'es l'angali? Tu vas les vomir! Sinon, tu iras nulle part et je vais te tuer! Je ne sais que tu ne vas pas bien. Je sais que tu ne vas pas bien. Aujourd'hui, tu vas vomir tout ce que mon fils t'a donné. Tu vas les vomir. Tu vas les vomir aujourd'hui, oh. Maman Onyeka, tu vas les vomir. Awa, lelo. O sanza nyonso. O kokinde pa ite. Nasana yo awa. O kolapa. Kate, que fais-tu ici? Et pourquoi pleures-tu? Thomas, Oga est mort! Oga est mort! Hein? Un homme qui a un bon cœur! Hein? Je ne sais pas s'il y a des gens pareils dans ce monde! Laisse que ton âme repose vraiment en paix! Pourquoi tu l'as tué? Qu'est-ce que tu viens de dire? Écoute, ne fais pas semblant comme si de rien n'était.
sinon tout le monde le saura. Réponds juste à ma question. Pourquoi tu as tué Oga? Je l'avais fait. Mais il n'était pas ma cible. Et c'était qui ta cible? Fred. Je voulais que Fred meure. Fred? Pourquoi tu voulais tuer Fred? J'avais rencontré Fred. J'espère que tu as aimé. Très délicieux. Merci. Ok. Prends ça. S'il te plaît, c'est pour faire quoi? Tu avais besoin d'argent pour rentrer au village. Merci beaucoup. Je suis très ravi d'avoir rencontré une femme de bon cœur comme toi. Mais si tu peux encore m'aider, je veux rester en ville pour travailler. Je veux rendre ma pauvre mère contente. Je suis un gars qui travaille dur et je ne veux pas retourner au village. Ok, alors, en quoi puis-je t'aider? Hébergement. Si tu peux me permettre de rester ici avec toi. Dès que je trouve un bon travail, je vais partir. Ça ne peut pas être possible. Je veux dire, on ne peut pas habiter ensemble, non? En fait, j'ai un petit ami qui paye cette maison. Et il vient ici de temps en temps. Pas de problème. Tu peux lui dire que je suis ton frère qui vient d'arriver du village. Frère? Ah, d'accord. Bébé, comment tu vas? Hé, je veux bien. Content de te voir. Alors, comment vas-tu aussi? Salut, monsieur. Qui est-il? Bébé, lui, c'est mon frère aîné. Fred. Il est venu hier du village. C'est un plaisir. Ça me fait plaisir. Comment va toute chose? Très bien, merci. Fred, lui c'est mon chéri, l'amour de ma vie. Il s'appelle Victor. Oh vraiment? Je vois ça. Et lui c'est mon prétendu beau-frère. Mon frère est un plaisir. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Comment va la vie là-bas au village? On se bat. Ça va. Un de ces jours tu viendras au village et après quoi? Ne t'en fais pas, je viendrai. Tu sais, comme notre monde. Je viendrai. Et je suis désolé pour ce qui s'est passé hier. Je te promets que ça ne se produira plus. C'est tout ce que tu dis toujours. Après avoir couché avec moi toute la nuit. Et maintenant, tu viens me raconter des histoires. Écoute, honnêtement, je souhaite de pouvoir toujours rester à tes côtés. Je suis sérieux. Tu as une femme avec un cœur d'or. Je souhaite que ça soit le même chez toi aussi. Je suis aussi folle de toi. Mais... je souhaite que Victor ne nous surprenne pas. On n'a pas besoin de lui. Tu sais, en fait, nous pouvons gérer peu importe ce que tu gagnes. Et je crois que bientôt, je vais trouver un bon travail. Tu sais, il faut juste trouver un moyen pour créer une incompréhension entre vous deux afin qu'il te laisse pour de bien. En fait, je me sens tellement jaloux chaque fois qu'il vient ici. La jalousie. Ok, je vais y penser. Juste, crée un problème et laisse-le partir. Sors de chez moi, non? Je t'ai dit que je suis fatiguée. Ah, sors de chez moi! Bébé, c'est quoi ça, non? Je t'ai dit que c'est juste une amie. Juste est mon amie. Que veux-tu que je dise, chérie? Je peux même jurer. Juste une amie. Une amie collée à toi le jour comme la nuit. Va continuer avec elle, s'il te plaît. J'en ai marre de cette relation. Je n'en peux plus. Bébé, tu sais, tu dois arrêter ça. Tu dois arrêter ça. C'est pour ça que, tu me chasses de la maison que je paye. Alors ne paye plus pour moi, je vais le faire moi-même. Bon Fred, tu as écouté tout ce qu'elle vient de dire là. Mais parle-lui, non? Je l'aime tellement et je suis innocent de toutes ces allégations. Mais tu l'as écouté, elle dit qu'elle n'est plus intéressée par cette relation. Mais vas-y, non? Tu dois lui parler, t'es mon gars, mais parle-lui, non, s'il te plaît. Je suis ton gars et elle est ma soeur. Mais vas-y, je vais lui parler, je trouverai un moyen pour lui parler. Que je parte? Va-t'en, non? Maintenant, tu veux tout gâter encore. Mais vas-y, non, je vais lui parler Fred. Après. Je sais que t'es mon mec, parle-lui s'il te plaît. Je suis ton gars, je vais lui parler. Oui.
Ça va. Fred, prends cet argent. Pour ton argent de poche et pour ton transport de retour. Ah, merci beaucoup. Je suis reconnaissant. Mais que pourrais-je faire sans toi? Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Laisse-moi rentrer, mon patron va être bientôt là. Ok, mais ouais. La nourriture est beaucoup. Hein. On d'accord. Se voit après. Je dis prenez vos effets quittés, vous êtes renvoyés. N'importe quoi. S'il vous plaît, monsieur, je suis vraiment je dis, désolé. Sortez maintenant. Je ne veux plus vous voir. Je suis vraiment désolé, monsieur. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Ça ne va plus se répéter. Bébé, oui? S'il te plaît, j'ai un truc à te dire. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Il y a un poste vacant chez moi au boulot. On cherche un nouveau chauffeur. Mon chef a chassé son chauffeur et il est payé très très bien. Mais es-tu je ne sais pas si tu peux conduire. Bien sûr, non. Pourquoi pas? Écoute, dans ma localité, je suis l'un des plus influents conducteurs là-bas. Je te l'ai dit, non? Ok. Comme c'est le cas, tu dois aller introduire ta demande. Ce qui est très important. Tu ne me connais pas. Moi non plus, je ne te connais pas. On ne se connaît pas où. Même pas parler de cohabiter. Je crois que tu m'as très bien compris, oh, s'il te plaît. Je pense que tu as raison. Donc, il faut que je me lave et puis aller là-bas. Vas-y, va te laver. Dépêche-toi vite, s'il te plaît. Mais rappelle-toi, on ne se connaît pas où. Fred m'a trahi. Après tout ce que j'ai fait pour lui. Écoute. Tu dois pardonner à Fred. Je sais que ce qu'il avait fait n'est pas bien, c'est de la méchanceté. Mais pardonne-lui, s'il te plaît. Je vois un meilleur homme venir à ta rencontre. Un homme qui te donnera de l'amour, la paix, l'attention dont tu as besoin. Pardonne à Fred et laisse-le partir. Un homme? Mais je ne suis pas intéressée. Fred doit payer cher pour mes larmes qui ont coulé. Je ne le laisserai pas. Est-ce que tu as essayé de parler avec lui et lui poser la question de savoir pourquoi il a agi de la sorte? Je l'avais fait. J'avais parlé avec lui un jour avant son mariage. Bienvenue, monsieur l'avocat. Alors, comment les boulots? Oh, les boulots évoluent bien. Et de votre côté? Oui, ça va. Très bien. Je suis ici pour faire une présentation du testament du défunt monsieur Edouard, qui stipule qu'après 3 mois de sa mort, que son testament, qui est la copie originale, doit être lue devant les membres de son ménage. Le testament se présente comme suit. Toutes mes propriétés, c'est-à-dire les maisons, se trouvant ainsi dans différentes communautés. Tous mes édifices de business, c'est-à-dire les supermarchés, les shopping malls, les magasins, toutes mes petites et moyennes entreprises, la boulangerie et tous les bus qui font le transport et les camions. Et tous mes biens en liquide, c'est-à-dire le cash dans les coffres-forts. Tous mes comptes en banque, mes chèques, mes intérêts et mes trésors soient remis à mon unique enfant, Annabelle Adams. Toute forme de liquidation reste illégale et ne représente pas à la juste valeur la volonté du rédacteur de ce testament. Signé Monsieur Edouard Adams. Mmh.
Merci, monsieur l'avocat. On revient. Chérie, viens. Bébé, pourquoi ton visage est comme ça? Dis-moi, nous ne sommes pas ensemble. Ce qui m'appartient t'appartient aussi. Ok, bien. Nous allons rentrer là-bas. Je veux dire à l'avocat de changer le nom du propriétaire en ton nom. Es-tu d'accord? Est-ce que ça va maintenant? Oui, ça va maintenant. Allons-y. Avocat. Ouais. Fred ici présent est mon mari. Je préfère qu'il soit au contrôle de toutes choses. Je veux que tu changes le nom qui est sur le testament en son nom. Pas de problème. Je vais vous donner 7 jours ouvrables avant d'entamer une quelconque modification. Car je ne trouve pas d'autre moyen. Ok. Merci, monsieur l'avocat. Merci. Ok, monsieur l'avocat, il n'y a pas de problème. J'attends ton feedback. Très bien. Merci. D'accord, de rien. Merci. D'accord. Prends soin de toi. Très bien. Tu sais, tu es un amour. Ça va maintenant? Ça va. Tu sais que j'ai toujours voulu ton bonheur. N'as-tu pas assez brisé son cœur? Choma, reste en dehors de ça. Je ne resterai pas en dehors de ça. Je sais que tu as tes raisons, mais ça ne te donne pas le droit de faire tout ça. N'as-tu pas fait assez? Cherche comment te ressaisir un peu. Relève-toi et continue ta vie. Sinon, Dieu va se tourner contre toi et va te faire payer le prix de tes œuvres maléfiques. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'ici? Si on t'avait attrapé, allais-tu avoir le courage de continuer avec ça? Allez, stop! Tu as déjà fait assez. Choma, je te préviens pour une dernière fois. Arrête de me surveiller. Dégage de mon chemin. Je dis dégage de mon chemin. Kate! Ne me dis pas que c'est toi qui as envoyé cette lettre à ma mère. C'est pour ça que tu veux casser ma main? Oui, je l'avais fait. Alors où est ton problème dans ça? Tu as fait quoi? Tu lui as envoyé. Comment tu as trouvé le résultat et comment tu connais l'adresse de mon village? As-tu oublié que j'ai le contact de ta mère? Bien sûr que je l'avais appelée et elle m'avait indiqué. Comment tu as trouvé ce résultat? C'est quel genre de question stupide? Laisse-moi te dire, je connais très bien cette maison plus que toi. Kate, hey. Tu sais quoi? Je pense que j'en ai assez de tes bêtises dans cette maison. Il est temps que tu partes. Dégage-toi d'ici. Hey! Il est temps pour moi de partir. Tu es fou, toi, je ne partirai pas. C'est quoi ça? Quelle bêtise! Tu pensais blaguer avec moi et partir comme ça? Fred, il y a quelque chose qui arrive. Tu as juste réveillé un démon en moi et je vais te montrer. Et quand je le verrai, tu vas regretter ta venue ici. N'importe quoi. Attends, tu vas voir. Tu vas bien me sentir. Attends. Regarde ça, chérie. Est-ce que tu aimes? Moi, je ne l'aime pas.
Pourquoi? Chance avec l'autre qui est à côté. Celui-ci, j'aime ça. Moi, je n'aime pas ça. C'est comme tu ne sais pas que tu es épousé, un joli garçon. Oh, c'est vrai. Mais regarde ça, non? Regarde ça, non? Est-ce qu'il y a comparaison entre toi et moi? C'est amusant. Madame, vous m'avez appelée? Oui, Kate. Premièrement, merci beaucoup pour ton service. Tu es vraiment une travailleuse. Ça, c'est ton enveloppe. Comme tu le sais, mon père n'est plus. Alors, on ne pourra pas avoir deux bonnes dans la maison. Alors, tu dois arrêter ton boulot aujourd'hui. Merci beaucoup, madame. Mais rien. Elle t'a donné une bonne raison pour sa décision, non? Pourquoi mais encore? Chérie. Mais non, tu lui as dit la raison pour laquelle tu n'as plus besoin d'elle, non? Mais vas-y, non? Elle t'a même donné une grosse somme d'argent. Calme-toi. Merci beaucoup. De rien, Kate. Madame, j'aimerais vous faire entendre quelque chose. Je crois que vous allez l'aimer. Bon, je peux écouter la chose. S'il vous plaît, je reviens. Elle veut me faire écouter quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être? Tu aimes ça, n'est-ce pas? Chérie, j'ai l'envie de me soulager. Je pense que je dois utiliser les toilettes. Oh, c'est vrai? Oui, je reviens tout de suite. Ok. Bien, bien. Qu'est-ce que tu veux faire écouter à ma femme avant de partir? Je ne crois pas que tu veux l'entendre. Je veux l'écouter. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu m'avais dit lorsque je t'avais attrapé pour la première fois avec madame? Alors, tu te rappelles de ça? Non, je ne me rappelle pas du passé. Ok. Fred, c'est quelle bêtise qui se passe entre toi et Madame Annabelle? Madame Annabelle, je ne comprends pas. Tu n'es qu'un prétentieux menteur. Ne sais-tu pas que c'est connu que vous êtes amoureux tous les deux? Amoureux, qu'à Dieu nous plaise. Mais attends, comment pourrais-tu penser que j'aurais un sentiment pour une femme pareille? Ou parce que tu penses que son père est riche, donc elle est exactement ce que je veux? Je sais ce que je fais. Je veux que cette fille tombe amoureuse de moi. Et je vais utiliser ça comme une opportunité pour l'exploiter son père. Si finalement son père meurt, je vais lui demander de changer le nom de tous ses documents à mon nom. Hein? Comme ça, toi et moi, nous allons fuir avec tous ses biens et aller faire notre vie ailleurs comme il faut. Je sais ce que je fais, non? Hein? Es-tu vraiment sûr de ce que tu dis? Kate, juste assieds-toi et laisse-moi faire ceci. Je sais ce que je fais. J'ai déjà tout planifié, non? Écoute, je ne veux pas que personne nous voie ici. Hein? Fred! Hein? Fred! Kate! Je suis jalouse. Jalouse de qui même? Alors, tout est enregistré. Tu es un diable. Seules les personnes diaboliques enregistrent les gens. Tu es un malade mental. Parce qu'il n'y a que des gens malades comme toi qui réagissent de la sorte. Je crois que je dois faire écouter ceci à ta femme. Elle doit connaître le genre d'homme qu'elle a épousé et connaître le plan de son mari. Alors dis-moi, maintenant comme tu as réussi à tuer l'homme, quel est ton prochain plan? Kate, pourquoi tu fais ça? Que veux-tu de moi? Bonne question. Je veux que Choma soit chassé et que moi je reste. Tu veux que tu m'en sois renvoyé? Mais bien sûr, tu sais que ce n'est pas possible.
Comme c'est le cas, ta femme doit écouter ça avant que je ne parte. Kate, tu es un diable. Tu es un démon. Tu es un malade mental. Un malade mental. C'est quoi ça? Ah! Mon cœur. Mon amour, comment vas-tu? Bien. Qu'est-ce que tu cuisines? Depuis le matin, je ne fais que travailler. Oui. Oh, vraiment? Mon amour, puis-je te demander une faveur? Oui, bien sûr, pourquoi pas? Je veux qu'on garde Kate et laisser plutôt Tioma partir. Ce n'est pas possible. Pourquoi vraiment ces changements de décision? Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment de la peine pour Kate. De toute indication, c'est comme elle nourrit beaucoup de personnes avec ce travail. Et ça ne sera pas sympa si nous la laissons sans aucune source de revenus. Qu'arrivera-t-il à ces personnes dont elle s'occupe? Donc, je suggère plutôt que Tioma quitte. Non, je ne suis pas sûre que tu comprends ce que tu dis. Tioma est importante dans cette maison et non Kate. Et mon père ne sera pas content dans sa tombe me voyant chasser Tioma. Écoute, s'il te plaît, je ne peux pas te satisfaire et non mon père. Tu sais, je ne t'ai jamais demandé une faveur. S'il te plaît, fais ça pour moi. Je suis désolée, je ne peux pas. Je ne peux pas. En tout cas, je ne peux pas, s'il te plaît, c'est déjà fini. Je ne peux pas le faire. S'il te plaît. Kate doit partir. Je pense que tu dois y penser. Je ne peux plus y penser. J'ai déjà parlé. Kate doit partir. S'il te plaît, respecte ma décision pour une fois. Je t'en prie. Kate doit partir. Le match a commencé. Mais je te l'ai dit. Waouh. Je te l'ai dit. Waouh, doucement. Regarde ce gars, il a failli marquer avant. Kate. Madame. Je suis prête de partir. Merci. J'aimerais vraiment vous remercier pour toute la période que j'ai eu à travailler pour vous. De rien. Et alors, où est-ce que tu m'as... Kate, tu peux aller déposer ton sac à l'intérieur et continuer avec ton travail. Ma femme est revenue sur sa décision, tu continues avec ton travail, d'accord? Tioma! Tioma! Oh, papa! S'il te plaît, viens. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu dis? Ogaf m'avait appelé. Oui, je t'ai appelé. Écoute, tu vas à l'intérieur, tu ramasses tes effets et tu quittes aujourd'hui. Parce que ma femme et moi ne pouvons plus supporter à payer les salaires de deux ménagères. D'accord? Mais de quoi parles-tu? Elle ne peut pas partir comme ça! Kate! Monsieur! Tu sais quoi? Tu lui donnes l'enveloppe qui t'a été donnée le matin. D'accord? D'accord, monsieur. Tiens, va à l'intérieur, ramasse tes effets, tu quittes immédiatement. Si c'est à l'enveloppe. Merci beaucoup. Je ne pleure pas pour mon job, mais pour deux chagrins. Qui vont te suivre?
C'est qui ça? C'est moi, Chuma. Ouvre pour moi le portail, s'il te plaît. Chuma, qu'est-ce que tu fais ici cette nuit? Sors d'abord ici, viens. Qu'est-ce que tu fais ici dans cette grande nuit? Je vais discuter un peu avec toi. Tu veux discuter quelque chose avec moi? Donc, oui. De quoi s'agit-il? Vas-y, parle. En tout cas, je me rappelle quand tu me disais combien tu aimais ce poste et comment Oga t'avait engagé et t'a offert ce job. Même si on ne te donne pas un salaire plus que Kate, n'oublie pas que Oga tenait beaucoup à toi. Oui, le patron était une bonne personne, très très bonne. Alors tu dois lui rester fidèle comme tu l'étais de son vivant. Mais comment est-ce que nous allons faire ça, non? Hein? Qu'est-ce que nous allons faire? Des gens comme toi et moi, qui avions bénéficié de ses bienfaits quand il était encore vivant, nous devons honorer sa mémoire et arrêter leur complot. On doit faire quelque chose. Qu'est-ce que nous allons faire now? Qui sont les loups? Peux-tu me le dire pour que je les connaisse? Et moi aussi, je vais savoir le rôle que je dois jouer pour les combattre. Les purs sont des personnes que moi et toi connaissons. Et ton rôle, c'est de me laisser entrer dans la maison et entrer dans le jeu avec moi. Tu veux que je te permette d'entrer dans la maison? Tu sais ce qui va se passer maintenant? Tu vois, ce que je vais faire maintenant, c'est un risque. Mais je vais le faire à cause de toi. Tu vois? Je vais t'amener à l'intérieur parce qu'ils ne sont pas encore revenus. Tu comprends? Je vais t'amener et je vais te cacher. Vite, vite. Fred. Kate. Mais que fais-tu ici? Pourquoi tu n'as pas frappé avant d'entrer? S'il te plaît, épargne-moi de ça. J'ai vu ta femme sortir. Où est-ce qu'elle est partie? Je ne sais pas. Peut-être elle est allée chercher Chuma, mais je ne sais même pas pourquoi elle a besoin de cette fille comme ça. Ah, ok, je comprends. Alors, pourquoi tu es ici? Tu as réussi à faire sortir Chuma de cette maison. Maintenant, tu peux continuer avec tes plans diaboliques. Arrête ça. T'inquiète, s'il te plaît. C'est juste parce que les choses marchent maintenant bien, tu vois? Voilà pourquoi je suis là pour qu'on en parle. Hein? L'homme est parti et les documents sont déjà là pour nous. Je vais maintenant t'avoir pour moi-même. Je ne sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu ne comprends pas par là? Arrête ça. Ça fait quand même beaucoup de temps que tu m'as abandonné comme ça. Fred, s'il te plaît, embrasse-moi, je t'en prie. C'est moi, t'inquiète. Alors, quels sont les prochains plans? Que veux-tu dire? On n'a pas assez de temps. On doit vendre ses propriétés et nous en aller déjà, tu vois? Ok? Regarde, demain, on doit aller vérifier toutes ces histoires. Comment as-tu su qu'il est assez bien? Fred, arrête de me poser des questions. Stupide, s'il te plaît, donne-moi juste ce que je veux. Tu feras la justice ici. Arrête ça. S'il te plaît, je suis fatigué. T'es fatigué? Oui. Ne fais pas ça. Est-ce que je ressemble à un cheval? J'ai eu une femme avant de te faire cela maintenant. Toi, tu veux abuser. Comme si ça m'importe. Lorsqu'on va vendre ses propriétés, je veux aussi te tuer. Et je veux me marier à un très bon garçon. Idiot, tu me prends pour qui? Tiens, ah!
Tu es toujours ici? S'il te plaît, je cherche mon téléphone. As-tu vu ça? Ton téléphone? Tu es venu ici avec? Bien sûr, je l'avais laissé sur le fauteuil. Oui, je pense que ça doit être là-bas. Personne ne viendra ici prendre ton téléphone, non. Écoute, tu dois sortir. Même si tu ne le trouves pas, je vais le chercher. Si je le trouve, je vais te l'apporter. Ah, ah. Je ne veux pas que ma femme rentre et te voir ici. Vas-y, non. Ah. C'est bon, je pars. Regarde comment elle veut me créer des problèmes. Fatiguée. Mon Dieu. Où est-ce que je veux voir cette fille? Où est-ce que je veux voir Chioma? Tantine. Chioma? Ok, mais que fais-tu ici? Depuis que je suis là, ça fait déjà quelques heures. Je suis venue juste vous dire de faire très attention. Écoutez, je... C'est quoi encore? Attendez, attends, écoutez. Ce n'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Ça, c'est l'audio que Gates avait enregistré. En fait, c'était la motivation de cet homme de vous épouser. Fred, mais il m'aime beaucoup. Comment il peut faire ça? Chioma, ça ce n'est pas vrai. Je ne peux pas y croire. Il ne peut pas me faire ça. Il ne peut pas le faire. Ah. Ah. Jésus-Christ, Fred m'a fait ça. Mais pourquoi vraiment ça? Fred. Chérie, tu es de retour? Mmh. Comment était ta journée? Bien, ça va. Ok. Comment vas-tu? Je vais bien. Oh. Tu vas bien? Oui, bien sûr que ça va très bien. Ok. Tu m'as manqué. Alors? Est-ce que tu veux manger quelque chose? Oh, en fait, pas encore. J'attends que tu rentres d'abord. Je peux voir le document que tu avais récupéré auprès de l'avocat. Je veux vérifier quelque chose. Qu'est-ce que tu veux vérifier? Juste vérifier un truc, c'est tout. Juste vérifier, t'inquiète chérie. Tu ne peux pas les avoir. Pourquoi est-ce que tu réagis de la sorte? Je dis que je veux juste vérifier et confirmer quelque chose, c'est tout. N'est-ce pas que ce sont mes propriétés? N'oublie pas que je suis l'homme de cette maison. Toute décision concernant les documents et les biens doivent venir de moi. Mais pourquoi est-ce que tu réagis de la sorte? Je suis celle qui avait décidé de changer mon nom en ton nom. Et puis quoi? Je dis et puis quoi? Écoute, si tu as une autre chose à dire, je suis très occupé ici. Ok. Bien.
Fred, j'aimerais te dire un truc. Qu'est-ce que c'est? Écoute, je n'ai pas d'énergie pour quoi que ce soit. C'est pas ce que tu penses, oh. Tu t'es trompé. Écoute, hein. Je suspecte que Tchouma est toujours dans cette maison. Tchouma dans cette maison? Comment est-ce possible? Je ne sais pas, j'ai juste ce pressentiment-là qu'elle est toujours dans cette maison. On doit vraiment la chercher. Kit, vraiment tu me stresses. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je sais ce que je suis en train de dire. Cherchons-la seulement. Ok, on y va. Je peux t'aider pour quelques minutes seulement. Commence à chercher. Maintenant, on a fini de vérifier tout endroit et Tchema n'est pas dedans. Est-ce que je peux me reposer? Je suis confuse. J'avais entendu un faux mouvement ici. Écoute, elle doit être quelque part ici. Donc Tchema se déplace dans cette maison et nous ne pouvons pas la voir. Elle doit être ici. Je l'avais bien dit. Elle est là. Tu vois, je t'avais bien dit. Tu vois que j'avais raison. Mais comment tu rentres? Depuis quand tu es ici en écoutant notre conversation? Donc c'est... Patron! Okrika! Patron, j'ai faim, j'ai réalisé que c'est la fin du mois, alors je suis venu pour prendre mon salaire et aller... Tu dois être très stupide! Est-ce que j'ai l'aide d'être ton cuisinier ou bien le mois déjà fini et tu viens demander ton salaire? Oh, patron, le mois n'est pas fini. Oh, comme j'ai faim, je pensais que le mois était fini. Désolé, patron. Attends. Comment cette fille est-elle entrée dans cette maison? Chema, comment est-ce que tu es entré ici? Comment est-ce que tu es entré? Tu ferais mieux de quitter ici maintenant, sinon... As-tu perdu ta tête? Je ne sais pas, je n'en ai... Comment est-elle entrée dans cette maison? Comment elle est entrée? Comment est-ce que tu es entré ici? Maintenant, viens ici, sors d'ici. Tu es malade, je parlais, tu es encore là-bas. N'essaie pas de me provoquer. Sors d'ici. Vite, je vais te frapper maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Comment est-ce que tu es entré ici? Aïe, patron, s'il vous plaît. Pourquoi tu pries dans cette maison? Je ne sais pas comment elle est entrée ici. Ce n'est pas moi qui l'ai ouvert. Et tu es toujours ici. Et tu vois ce que tu m'as causé. Dégage-toi d'ici. Tu es sûr que cette fille... n'a rien entendu de nous. Oh, mon Dieu. Cela n'a pas l'air bon. Ça n'a pas l'air bon du tout. Hey, je crois qu'elle a tout entendu. Qu'allons-nous faire maintenant? Pourquoi cette fille n'aime pas être loin de moi, hein? Comment est-elle entrée dans cette maison? Hein? C'est qui au portail? Oui. Qui cherchez-vous? Je veux voir le responsable de la maison. D'accord, attendez, j'irai à l'intérieur pour vous l'appeler. Je ne te dois aucune explication. Je peux dire ce que je veux, tant que je suis l'homme de cette... C'est pour cette raison qu'on t'a envoyé chez moi avec des faux documents. De quoi parlez-vous? Tous les documents que je vous ai donnés sont des documents originaux. Tous ces documents délivrés ne sont aucunement authentiques. Alors, pourquoi vous m'avez donné de faux documents? Je ne savais pas que tu étais un courant de jupons. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, venez avec moi. Venez. Monsieur l'avocat, j'ai entendu tout ce qu'Annabelle a dit. Annabelle s'est permis de faire tout ça juste par amour. Je pressens quelque chose de pas bien avec ces documents. Je ne fais pas confiance à cet homme. S'il était vraiment sincère, je ne pense pas qu'il allait changer les noms de ses titres parcellaires. Monsieur, n'oubliez pas que vous êtes l'avocat personnel de son père. Avec tout ce qui vous revient comme devoir de protéger ses propriétés,
C'est pour tout cela que son père vous avait fait confiance. S'il vous plaît, ne le faites pas. Cela nous permettra de garder les documents originaux. En attendant que vous trouviez une autre solution, vous pouvez faire une notification qui montrera qu'il n'a pas qualité de vendre la parcelle et aussi un moyen de récupérer tous les documents originaux de toutes ses propriétés. S'il vous plaît. Ce que tu viens de me suggérer est vraiment intéressant. Il doit y avoir quelque chose qui cloche. Oui. Quelque part. En tout cas, je dois le souligner, c'est une très bonne idée de ta part. Bien, laisse-moi faire. On se voit plus tard. Merci beaucoup. C'est moi Je vais te voir. Merci, okay. Monsieur. Tout ça grâce à Choma, qui m'avait rappelé que des dealers comme toi existent toujours. Monsieur Fred, tu dois rembourser tout l'argent que j'avais payé pour le projet de cette maison maintenant, sinon... Monsieur, calmez-vous s'il vous plaît. Vous devez m'accorder un peu de temps et je vais rectifier les choses. Ça veut dire quoi tout ce qui s'est passé ici devant moi? Arrêtez cette fille ici, Kate, oui. Pour le meurtre de Chief Edward. Officier, mais qu'est-ce que vous dites? De quoi parlez-vous? Kate ici présente est responsable de la mort de ton père. Choma m'a tout dit. Kate! Tu avais tué mon père! Ce n'était pas dans mes intentions. Il n'était pas ma cible. C'est Fred qui était ma cible. Quoi? Ah bon, Kate? Quoi? Officier! Arrêtez-le! Monsieur Fred, vous êtes en état d'arrestation. Mais monsieur l'officier, nous parlons de quelqu'un qui a tué. Mais c'est ça le cas le plus grave, non? Et c'est un de bien gérer. On avance. Cas, qu'est-ce que c'est? Tu veux t'en sortir? Toi, tu voulais me tuer. C'est toi qui es la cause de tout ça. Tu voulais me tuer. C'est toi qui voulais ça, non, n'est-ce pas? C'est ça que tu voulais. C'est ce que tu désirais. Je vais te tuer dans cette cellule. S'il vous plaît, ne les torturez pas trop. C'est l'homme-là qui paie mon salaire. Ne cassez pas sa main afin qu'il puisse toujours signer quand je veux collecter mon salaire. Vous pouvez casser ses jambes, mais laissez-lui les mains. Pour Kate, vous pouvez détruire son avenir. Je ne sais pas comment